Alors voilà, on se retrouve sur ma table de cuisine. Donc ça c'est un petit tapis que j'ai acheté en caoutchouc, ça permet de tout bien protéger pour la résine et puis tout, c'est top. Donc voilà, on va commencer déjà par nettoyer notre pièce. Voilà, donc vous pouvez déjà avoir un aperçu de la pièce. Voilà. Alors moi ce que j'utilise c'est une boîte à bonbons en plastique comme ça. Comme ça je mets mon alcool dedans, ça me permet de le réutiliser. Comme ça je peux mettre le couvercle. Bon par contre faites gaffe, les couverts sont pas tellement étanches et à force on en met partout. Donc, vous voyez, je vais même ramener le bac avec la résine. Donc ça je vais vous montrer tout à l'heure comment faire. Alors, prenez votre plateau, déjà dans un premier temps. Hop, vous voyez, en plus l'avantage c'est que ça fait pile poil la taille du plateau. Bon après vous aurez si vous imprimez des pièces assez hautes, vous allez vite être limité, mais déjà dans un premier temps, pour les petites pièces ou autres, ça va tout à fait bien. Voilà. Alors par contre vous allez bouffer du papier sopalin comme ça, vous allez en bouffer. Hein. Hop. Tac, alors je vais vous montrer ce que je vous parlais tout à l'heure. La petite plaque. Je vais la décoller. Voilà. Tac, ça vous pouvez le mettre de côté par là. Ensuite. Bon après, je vous conseille aussi de mettre un masque parce que l'odeur d'alcool plus de résine. Enfin ça va, là, la cuisine. Ça va, c'est pas une pièce aseptique, mais le mieux c'est quand même de mettre un masque. Donc voilà, une fois que vous avez votre pièce qui est comme ça sur la plaque, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'acheter ces plaques là, c'est pas en placement de produit ni rien, malheureusement, parce que. Hop, vous faites ça, vous faites des légères pressions sur la plaque comme ça. Voilà, vous voyez, ça a déjà commencé à se décoller, la pièce ne s'est pas cassée. Hop. Et vous voyez, la pièce se décolle nickel. Donc voilà, hop, vous la repassez dedans. Vous la nettoyez bien à fond. Donc faut pas hésiter. Voire même, vous avez dans la boîte d'accessoires qui est fournie avec la machine, vous avez un petit pinceau. Vous pouvez passer un petit coup de pinceau sur la pièce pour retirer les derniers résidus. Parce que après ça va vous laisser, si vous la nettoyez pas assez bien, vous allez avoir des petits résidus blancs sur toute la pièce. Au moment de sécher, en fait, les résidus de résine vont laisser des petites traces blanches. Un peu comme du calcaire, c'est assez bizarre. Donc je suis pas sudiste ni rien, donc je pourrais pas vous expliquer pourquoi ça laisse des résidus. Donc vous la nettoyez bien à l'alcool, voilà. Pas hésiter à la repasser plusieurs fois. Après, si un jour j'ai les moyens, je vous présenterai une machine qui fait la même taille que l'imprimante. C'est une machine qui s'appelle Wash and Cure. Donc il y a Anycubic qui en a fait une, il y a aussi Elegoo qui en a fait une. Donc c'est des machines en fait qui permettent d'avoir directement le plateau comme ça, qui est intégré sur la machine. Donc vous enlevez votre plateau complet comme ça, vous l'intégrez sur la machine Wash and Cure. Vous avez un bac que vous pouvez mettre aussi bien de l'eau que de l'alcool dedans pour nettoyer vos pièces. Vous avez un système à l'intérieur, au fond, qui permet de faire un tourbillon et de nettoyer la pièce en fait sans que vous ayez rien besoin de faire. Vous lancez un programme. Et ensuite, cette même machine, la Wash and Cure, cure pour le traitement, vous retirez donc la tête d'impression, enfin le plateau d'impression. Vous décollez votre pièce. Et apparemment, vous pouvez même décoller votre pièce avant, parce que vous avez un bac en grillagé de fourni pour mettre dans le bac en plastique. C'est pas mal foutu. Et à la fin, vous retirez votre bac, vous retirez ce qui fait le système agitateur. Et en fait, toute la colonne, c'est des gencuvés. Donc vous pouvez mettre votre pièce à la fin pour la finaliser avec les gencuvés. Donc on verra un jour, je vous ferai peut-être un tuto si je m'en achète une. Hop, donc au bout d'un moment, voilà, vous pouvez sortir votre pièce. Donc voilà, pièce finie,
infini. Il reste encore 2-3 étapes. Hop, on la pose là. Maintenant, il faut bien la sécher. Il faut bien la sécher pour la mettre dans la machine. Pour la mettre dans sous les lampes UV. Bien la sécher pour enlever tous les résidus d'alcool. Alors vous pouvez souffler légèrement dessus. Là, c'est ce que je fais généralement. Je vous conseille vraiment de la faire bien sécher avant de la mettre sous les lampes UV, parce que sinon l'alcool ça va aussi laisser des résidus. Vous voyez un petit peu les qualités d'impression qu'on peut faire avec. C'est vraiment lisse partout. Voilà le logo de la chaîne. Enfin, le logo fait vite fait l'arrache avec un téléphone. Voilà. Ensuite, vous démarrez votre lampe UV. Alors moi, j'ai un timer de 120 secondes dessus. Moi en général je l'allume en continu et je regarde à peu près pour une pièce comme ça je conseille 10 minutes d'un côté, 10 minutes de l'autre environ. Après il n'y a pas de, je dirais que c'est au jugé, mais vous voyez déjà la pièce est bien dure. Vous abusez pas trop là tant qu'elle n'est pas passée à l'UV, parce que si vous la bougez un petit peu elle risque de prendre une forme, parce que c'est quand même assez dur, même sortie. Mais il faut la finir en la polymérisant, finir la polymérisation. Donc hop, vous placez votre pièce bien au milieu. Donc après vous comptez à peu près 10 minutes. Voilà. Donc pendant ce temps, je vais vous montrer comment récupérer votre résine de votre bac. Donc moi j'ai acheté le petit entonnoir qui va bien. Je vais appuyer légèrement dessus. Tac, un premier cran. Tac. Hop. Le petit entonnoir. Maille très fine. Après, vous pouvez utiliser les entonnoirs qu'ils fournissent avec en papier. C'est une espèce de... Ça ressemble à des filtres à café avec une maille fine au fond. Mais le problème, c'est que c'est en papier. Donc, à chaque fois que vous en utilisez un, vous êtes obligé de le jeter à la poubelle. Alors que ça, bah, vous investissez dans l'entonnoir plus le filtre. Ça vous revient à 8 euros. C'est sûr, c'est 8 euros. Mais bon, au moins, c'est vite rentabilisé. Par la suite, au moins, ça évite de mettre du papier à la poubelle avec de la résine. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, alors après, bien sûr, il faudra finir de nettoyer le plateau avec l'alcool, finir de nettoyer la plaque avec l'alcool, finir de nettoyer le bac à résine. Parce que tout ça, maintenant que c'est de la résine qui est standard, donc il faut nettoyer à l'alcool, il faut nettoyer tous les accessoires qui ont touché la résine avec l'alcool. Donc l'avantage de la résine lavable à l'eau, c'est que bah, vous lavez tout à l'eau. Mais les qualités sont pas... Enfin, la solidité n'est pas au rendez-vous, je trouve. Alors, pour faire couler, vous avez... Dans un angle, vous avez un rond, ce qui va vous permettre de faire couler. Hop. Faites couler votre résine. Alors par contre, allez-y pas comme un sauvage, parce qu'au bout d'un moment, faut laisser le temps que la résine coule, parce qu'en fait c'est visqueux la résine comme ça, et en fait ça a du mal à passer à travers les petites mailles de la petite passoire fine. Donc il faut y aller tranquillement. Et ça vous permet de éviter de gâcher la résine ou autre, parce que la résine ça coûte quand même assez cher. Un bidon de 500 grammes,
Pour me rappeler des prix, c'est entre 19 et 22 euros un bidon de 500 grammes. Donc ça dépend de la marque que vous prenez. Moi, généralement, je prends de la Elegoo. Après, il y a de la Anicubic, il y a de la Sunmu, je crois. Enfin, il y a plein de marques possibles et inimaginables. Après, vous regardez simplement les commentaires ou autres et c'est votre préférence. Moi, personnellement, c'est la Elegoo. Donc après, vous avez aussi des pots de 1 kg. Les pots d'un kilo sont un peu plus chers, je crois qu'ils sont à entre 35 et 40 euros de mémoire. Après, il suffit de regarder sur Amazon, résine pour impression 3D, vous allez trouver. Vous voyez la résine, elle vient se décoller toute seule. Enfin, se décoller. C'est tellement visqueux que on croirait que c'est déjà propre, mais quand ça coule, tellement ça coule en paquet. Donc voilà, après, une fois que tout ça c'est fait, nettoyez toutes vos pièces, donc le bac. Ça, vous attendez que ça finisse de couler, vous le laissez dans un coin. Moi, généralement, ce que je fais, c'est ça. Je mets un peu d'alcool au fond. Et après, voilà. Une fois que vous avez un petit peu d'alcool au fond, voilà, vous pouvez y aller. Posez ça là. Et après, vous nettoyez. Nettoyez bien. Faut vraiment que la cuve elle soit nickel après. Faut pas qu'il y ait de résidus gras de la résine. À la rigueur, quand vous nettoyez à l'alcool, vous n'êtes pas obligé de nettoyer après à l'eau. Vous nettoyez qu'à l'alcool. L'alcool va s'évaporer tranquillement. Et après, ça sera propre. Faut surtout que le bac soit plus gras. Ça fait gras à l'intérieur en fait avec la résine, faut vous imprimer. Vous voyez bien. Hop. Surtout là dans l'ongle. Vous voyez, la résine a tendance à se déposer là où je vous disais pour faire couler. Voilà, vous voyez bien tout. Comme je vous le disais, chaque plateau, enfin chaque cuve, vous avez les petites vis. Vous avez la clé avec le coffret d'accessoires. Et en fait, le film en plastique ici, vous en trouvez sur internet. Hop, vous démontez ça, sortez le film en plastique ici, vous mettez le nouveau, vous resserrez, c'est reparti. Et en fait, en serrant, ça vient tendre le petit film plastique. Parce que là, vous voyez, ça fait comme un tambour. Une fois que c'est monté et que c'est bien tendu, ça en fait ça vient se coller à l'écran UV pour faire les formes de tranches à chaque fois. Voilà. Hop. Alors ça pareil, moi je vous conseille, une fois que vous avez fini de nettoyer, ou même en nettoyant, desserrer les deux vis, ça va libérer le plateau et le ressort. Enfin, le plateau sera toujours dedans, mais ça va surtout libérer le ressort. Parce que si vous le stockez comme ça, avec le plateau qui est serré, sachant qu'il y a un ressort à l'intérieur, ça risque de forcer sur le ressort, et à force, votre ressort, bah, il va plus faire effet du tout. Et vous serez bon pour acheter le kit complet. Je crois qu'une tête comme ça, ça vaut dans les 15-20 euros. Je ne sais plus laquelle, à combien je vais l'acheter, la dernière que j'ai acheté, que je ne me suis pas encore servi pour me faire pour me faire deux têtes d'impression, pour pouvoir lancer une impression et lancer tout de suite une autre derrière. C'est pour ça que j'en ai acheté une deuxième. Hop. Moi, je vous conseille, ouais, avant de remettre la tête dans l'imprimante pour la ranger ou autre,
de bien desserrer vos deux. Ça va libérer le plateau, libérer le ressort surtout. Voilà. Ça, pareil, je lèverai plus tard dans mon bac d'alcool. Ici, on referme. Là, ça fait environ un peu plus de 5 minutes. Hop, déjà je me libère une main. On va le retourner après. Déjà. Hop. Vous pouvez voir. Voilà, donc on va la remettre un peu de l'autre côté. Ça c'est un peu au jugé, après si chacun fait comme il veut. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dans la description donc pour la machine. Je vous mettrai aussi la... Après vous cherchez sur Amazon, la Elegoo, il y a aussi la Anycubic qui est exactement la... Pratiquement le même principe avec le pratiquement le même plateau, la même cuve. Je crois que même les cuves de Anycubic sont les mêmes que les cuves de Elegoo. Il y a juste le système ici qui change. C'est pas du tout la même rotule ici. C'est un truc fixe avec deux vis. Vous cherchez sur internet, après vous achetez. Si vraiment vous avez envie d'investir dans une imprimante, après c'est au choix. Je pense qu'il n'y a pas d'imprimante meilleure que les autres. Moi j'ai choisi Elegoo à la base parce que j'avais vu pas mal de vidéos sur celle-là à l'époque et le système de réglage je trouve top au niveau du plateau. Donc je vous mets tous les liens dans la description. Donc la machine. Je vous mettrai la mienne, la Mars Pro, non c'est pas la Mars Pro, c'est la Mars Elegoo, première du nom, je ne sais même pas si on en trouve encore sur Amazon. Enfin, je vous mettrai le lien d'une machine. Il y a peut-être la Mars 2, pas la Mars 2 Pro, mais la Mars 2 qui doit être à 200 et quelques euros en ce moment. Je vous mettrai les liens pour une chambre UV basique. Je vous mettrai les liens de ça. Je vous mettrai aussi les liens en supplémentaire des plaques Sovol 3D. Donc, je le répète, je ne suis pas sponsorisé. Mais franchement, vous voyez, une fois que c'est collé, c'est top. Vous voyez, ça ne se décolle pas. Avec le. Je pensais que l'adhésif, au bout d'un moment, allait se décoller dans le temps avec la résine. Et franchement, une fois que c'est collé sur le plateau... Alors moi, je n'ai pas collé et fait une impression directe. Je l'ai collé et j'ai lancé qu'une impression le lendemain, le temps que la colle se solidifie bien ou autre. Hop, les petites plaques. Donc c'est sûr, c'est 19 euros, mais bon, vous avez deux kits, donc vous pouvez avoir deux plateaux et deux plaques. Donc je vous mets tous les liens en description. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et voilà, donc le petit logo de la chaîne. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous voulez plus de précision sur quelque chose ou à me contacter. Vous voulez plus de précision au niveau de l'imprimante 3D. Si vous voulez des renseignements, je vous répondrai dans la limite de mes connaissances, comme on dit. Et on fera un petit. On verra s'il y a pas mal de commentaires ou autres. On verra peut-être à faire gagner le petit logo. Le petit logo que je viens d'imprimer ici. Je vais le faire gagner ou à la rigueur, je pourrais vous imprimer autre chose si vous voulez. Si vous voulez pas du logo, je vous imprimerai autre chose, un petit porte-clés ou autre. On verra ensemble sur internet ce qu'il est possible de trouver sur les différents sites internet. Parce que moi je fais pas encore de modélisation 3D par ordinateur, je suis pas fort du tout. Ça on verra avec la chaîne TL Automotive. LT Automotive ou TL Automotive, je sais jamais. On verra avec lui, on verra donc avec Thomas pour faire une vidéo ensemble où on pourra, vu que lui il est pas mal, il a fait beaucoup de dessins industriels sur ordinateur donc. On fera une petite vidéo ensemble où on essaiera de créer une pièce un peu toute simple ou autre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, sans vous forcer, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit like si ça vous plaît. Merci et puis à la prochaine. Allez, salut!
Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit j'aime. À la prochaine, salut!